Diane séduite par la voix de Tom Hanks. Une comédie délicieusement romantique, écrite et réalisée par l'auteur de Quand Harry rencontre Sally. Changement de rythme, changement de ville. Dans le pénitencier d'Attica, tout n'est que violence. La mise en scène coup de poing de John Frankenheimer n'atténue en rien cette atmosphère lourde. La folie d'Ino s'est emparée de Canal+. Et ce soir, vous pouvez visionner le film en version originale. Mais comme pendant le film, on oublie rapidement que ces grandes bébêtes sont entièrement fictives, juste après, en regardant le making-of, vous apprendrez comment ils ont été imaginés et construits pour cette super production sur la liste de Spielberg. Certaines de ces belles de nuit ne sont pas plus réelles. Enfin, pas tout à fait. Après un passage volontaire à Silicon Valley, elles sont prêtes pour des effets très spéciaux. Romantique, véridique, préhistorique, technologique et érotique, une soirée cinématographique et magique sur Canal. Salut, les invités de Télé Dimanche arrivent tout de suite. Il s'agit aujourd'hui de Bruno Mazur. Il fête ses 20 ans de télé.